notre cours. On avait parlé la dernière fois tout ce qui concerne l'espace donc, sismique, le risque en général, on a traité beaucoup plus de risques sismiques. Donc on avait vu les différents paramètres qui interviennent au niveau sismique. On a parlé un peu de tout ce qui est aléa, de tout ce qui est importance, de tout ce qui est site, l'influence de chaque chose. On avait parlé aussi de l'accélération sismique. Toujours est-il donc nous devons à peu près avoir une connaissance. Nous devons avoir le moins d'informations. C'est une culture, je ne vais pas rentrer dans les détails des détails, mais c'est une culture pour à peu près savoir ce qui va se passer, quelles sont les causes et comment c'est apparu, pour arriver enfin à un séisme qu'on doit essayer donc d'évaluer et de se protéger contre. Donc nous devons avoir une certaine culture, donc c'est un espace plus ou moins, je peux dire, culturel, qui nous permet à peu près de comprendre comment arrive un séisme, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Et pour cela, en tant que génie civil, je ne dis pas que c'est une obligation, mais toujours est-il, c'est bien d'avoir cette culture pour au moins comprendre les choses. Quand on va parler de plusieurs choses, on doit comprendre a priori qu'est-ce qui va se passer. Donc premièrement, c'est la définition. En général, quand on parle d'un séisme, on parle toujours de tremblement de terre. On dit qu'il y a donc un tremblement de terre dans une zone. Bien sûr, un tremblement de terre, la terre va trembler. C'est un mouvement de tremblement. Comme toute personne, quand elle a froid ou quand elle a pris une certaine température, elle va commencer à trembler. Okay. Donc, généralement, la terre va trembler. Le tremblement, c'est des secousses. Donc, c'est des secousses qui peuvent être plus ou moins violentes, en fonction, bien sûr, du tremblement de terre. Et elles peuvent être aussi destructrices au niveau du sol. L'origine, en général, l'origine de ce tremblement de terre, c'est une rupture. C'est une rupture du sol sur lequel on est. C'est une rupture en général des roches. Bien sûr, ce n'est pas la terre molle qui va se rompre. En général, quand on parle de sismique, généralement, c'est une rupture de la roche, de l'écorce terrestre. Puisque nous vivons sur un sol, on peut voir que le sol, rarement on peut voir de la roche, uniquement quand vous avez des montagnes. Donc c'est de la roche, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais en général, sur Terre, vous n'avez pas de la roche, vous avez un autre terrain, vous avez d'autres matériaux, donc vous avez des sables, vous avez des argiles qui sont venus, bien sûr, qui sont temporaires dans le temps géologique. Okay? Mais généralement, à l'intérieur des sols, à l'intérieur, à une certaine profondeur, vous avez ce qu'on appelle de la roche. Elle peut se trouver à des dizaines de mètres, elle peut se trouver aussi à des dizaines de kilomètres aussi. Okay. Et là, donc, généralement, quand on parle, en général, la rupture, la cassure, ne peut pas avoir lieu sur la terre molle, sur l'argile ou bien sur la terre agricole. Vous n'allez pas avoir une fissure. Parce que elle est déjà, c'est un ensemble de pierres, de petits éléments. Donc, en général, il n'y a pas de rupture. Si vous allez casser du sable, vous n'allez pas le casser. Pour pouvoir casser, il faut que ce soit une roche dure, solide. Okay, qui va donc être soumise, comme on fait l'essai. Vous voyez dans un essai, si vous faites un essai sur le béton, vous le cassez, vous allez avoir donc une rupture de cette roche après un certain effort, une certaine contrainte. Donc arrivé à une certaine contrainte, le béton va céder, ou bien l'acier va céder. La roche
C'est la même chose. Si vous avez une roche, vous allez la casser. La roche peut supporter une certaine contrainte, que ce soit en compression, que ce soit en traction. Et on sait bien que la contrainte en compression dans les roches en général, dans les systèmes composites, la compression, elle est beaucoup plus importante que la traction en général. Donc généralement, dans les premiers à peu près, ce qui a été vu, ce qui a été constaté, généralement c'est dans les 60 premiers kilomètres au niveau du sol. Okay. C'est le cas d'ici, ce qu'on appelle superficiel, excepté bien sûr d'autres secousses volcaniques qui se produisent dans la partie cassante de la crouste terrestre. Les volcans créent des fissures juste dans la partie supérieure. Okay. Et peut-être aussi la cause d'un tremblement de terre. Si même les volcans conduisent aussi à des tremblements de terre. On va bien en faire. Okay. Donc ici, on peut voir que généralement la Terre, voilà, d'après les géologues, bien sûr, elle est constituée de plusieurs couches, ok, solide, liquide, ensuite le manteau, jusqu'à arriver au niveau donc, de la lithosphère, avec la partie rocheuse. La partie rocheuse. Vous voyez que cette partie rocheuse, elle est minimale au niveau des océans et des Atlantiques, de la mer en général. Et elle est très épaisse, là vous avez des montagnes, des demi-éclairs. Bien sûr que ça a été créé d'un point de vue donc, géologique, selon une certaine méthodologie, okay, où tout a été créé. Et on peut voir ici en général, quand on va parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 couches, okay, comme les cieux, dans les 7 cieux. Okay. Ça à peu près, c'est ce qui va se passer. Donc la partie cassante ici, la partie qui va casser, c'est la partie rocheuse. C'est la partie rocheuse. C'est la partie qui va casser. Généralement, c'est dans l'écorce terrestre. Juste la couche superficielle qui a été solidifiée, bien sûr avec l'érosion, avec les mouvements, tout ça a été créé. Et vous avez donc la création des montagnes, la création des mers. Ok? Donc, s'il y a bien sûr, si je vois ici, déjà je peux comprendre quelque chose, c'est que la couche la plus mince, c'est la couche qui se trouve au niveau des mers et des océans, des Atlantiques. Et c'est pour cela que la majorité des séismes ont lieu dans cette couche-là. Généralement, ils ont lieu dans les océans, dans les mers et dans la couche la moins épaisse. Ok? Ça, c'est généralement ce qui va se passer. Rarement, vous avez des cassures au niveau des montagnes, etc. Parce que la couche, elle est très épaisse. Au niveau, bien sûr, ce qu'on parle aussi, c'est au niveau donc, théorique, ce qu'on appelle le mouvement des plaques, l'expansion, l'agrandissement de la Terre. Donc la Terre est passée à plusieurs phases. Depuis sa création, c'était quelque chose de dur, solide, okay, brillant. Bien sûr, l'écorce céleste s'est refroidie. Vous avez donc la couche superficielle qui s'est formée le long des années. Cette couche-là, bien sûr, la Terre a subi une certaine expansion. Et ce qui a fait que les continents ont été créés. Donc les continents ont été créés à partir de l'expansion de la Terre. Et vous avez, si on parle, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, etc. Donc c'est des théories également, c'est des théories qui parlent du mouvement de ces terres qui étaient à l'origine complètement liées. Ils étaient à l'origine complètement liées. Ensuite, avec l'expansion de la Terre, il y a eu donc la séparation entre les continents et tout a été créé. Donc juste au niveau de l'étirement, vous avez donc la création de montagnes, la création des parties creuses, où il va y avoir ensuite tout ce qui est mer aussi, etc. Ok. Et bien sûr, cette expansion a créé donc des continents, comme vous pouvez rappeler, c'est les continents d'aujourd'hui, où il n'y a plus donc de contact. Tous les continents sont séparés. Il y a donc une théorie qui s'appelle la dérive des continents,
où on a démontré que tous les continents étaient liés les uns aux autres. Ensuite, il y a eu donc une séparation des continents, même les allures restent toujours conformes à tout ça. Okay? Et on peut voir ici que nous avons aussi la même chose, nous avons sept continents ici. Cette plaque tectonique, okay? Cette plaque tectonique qui sont séparées, on revient toujours au terme 7. Okay? C'est pour ça que des fois, on interprète comme la création des sept terres, c'est ces terres-là. On peut parler d'autres terres aussi, mais scientifiquement, la plus proche en général, c'est la création de ces sept continents. Okay? Généralement, tous ces continents, après avoir bien sûr été créés et séparés, entre les mouvements, donc le mouvement intercontinent est toujours présent. Le mouvement, depuis qu'il y a eu l'expansion de la Terre, la création des continents, bien sûr, le mouvement ne s'est pas arrêté. Le mouvement va rester, mais en diminuant l'intensité du mouvement, elle diminue. L'intensité du mouvement diminue. Elle était peut-être dans le passé, peut-être à quelques mètres par seconde, par an, ou à quelques dizaines de mètres par an. C'est-à-dire c'est pendant des milliers d'années qu'a eu ce phénomène. Mais maintenant, le phénomène existe toujours avec des moindres mouvements. Avec des moindres mouvements. C'est-à-dire d'un continent à l'autre, ça continue à bouger, mais avec moins de mouvements, avec peu de mouvements, peu de déplacements. Okay? C'est qu'au niveau, donc, au niveau de tout ce qui est, je vais définir ça comme étant les failles qui ont été créées déjà. C'est les failles, donc c'est les fissurations qui ont été créées au niveau de la Terre, enfin c'est de la roche. Donc quand il y a expansion de la Terre, il y a création des points de rupture. Et ces points de rupture, en général, sont remplis par le magma qui est à l'intérieur et qui va donc cloître, qui va cloisonner tous les fissures. À chaque fois qu'il y a fissuration, elle est cloisonnée. Mais ça restera toujours une cassure. Donc ces cassures-là, malgré l'éloignement, vont rester. C'est toujours des zones de faible résistance. C'est toujours des zones qui sont colmatées. Donc c'est la partie en général qui va subir toujours la rupture. Elle restera toujours, la rupture restera toujours aux alentours de ces points-là. Et ça, c'est la définition, ce qu'on appelle les failles. C'est les failles qui avaient déjà existé en général. Et là, on peut parler, donc, c'est le mouvement. On peut avoir plusieurs types de mouvements dans l'expansion. Soit vous avez des mouvements de rapprochement de continents, rapprochement, et donc là, vous avez, dans l'écorce, vous allez y avoir une création de compression dans la roche. Soit vous avez des mouvements d'éloignement, et la roche ici, elle sera tendue. Donc je vais avoir une tension au niveau de l'écorce terrestre, intercontinentale. Ou bien vous avez des mouvements en plan qui vont créer plus ou moins ce qu'on appelle chez nous un cisaillement. On peut avoir trois types de mouvements. Un mouvement de compression, par rapprochement des continents. Un mouvement de traction, une force de traction par éloignement des continents et par un effort tranchant par mouvement latéral. On peut avoir des mouvements latéraux aussi. Okay? Et on peut avoir des mouvements latéraux avec aussi une petite compression ou une petite traction. Okay? Donc c'est au niveau des mouvements, bien sûr. Bien sûr, au fur et à mesure des années, cette compression va augmenter, c'est tout à fait normal. Si vous avez un continent qui bouge par rapport à notre continent, il se rapproche. Qu'est-ce qui se crée à l'interface? À l'interface, vous allez avoir de la compression. Vous allez avoir de la compression. Et bien sûr, cette compression-là, je peux donc l'évaluer en termes de contraintes. C'est des forces colossales parce que c'est des surfaces
très très importante au niveau de l'écorce. Imaginez que vous avez une roche de 5 km ou 10 km et qui sera comprimée. Donc c'est des forces extrêmement importantes. C'est des forces qui se créent et qui sont extrêmement importantes. Donc ils vont s'accumuler dans le temps. Ça dépend, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Et donc la compression dans la roche va s'accentuer, donc elle va augmenter au fur et à mesure. De la même façon l'attraction, de la même façon le cisaillement. Et arrivé à un certain moment, quand cette roche ne peut plus subir cette compression, et bien elle va casser, elle va casser. Et c'est des mouvements donc qui sont vraiment brusques, ok, avec des efforts internes qui sont très très grands du point de vue donc force, ok. Donc bien sûr, quand il va y avoir cassure, quand la roche va casser, l'énergie qui a été accumulée, à l'intérieur de la roche, vous allez avoir une énergie. Ok, donc sigma va passer de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arrivé à un certain moment, un certain sigma, au niveau du sol, que ce soit traction, compression, cisaillement, et bien la roche va casser. Et quand elle va casser, la contrainte va revenir à 0. La contrainte va, puisqu'il y a cassure. Vous avez vu une machine, vous chargez, ça arrive à 50. 500 km, 600. Et quand la roche casse, qu'est-ce qu'elle fait la machine? Elle revient à zéro. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La contrainte a été annulée. Et bien sûr, c'est une énergie qui a été accumulée. C'est une énergie. Okay? Et cette énergie-là, puisqu'elle est passée à zéro, donc l'énergie a été dissipée. Elle va sortir, cette énergie. Elle ne va pas être dissimulée. On l'a accumulée, donc elle va sortir. Elle va être dégagée. Elle est dégagée en général par des fissurations partout. Et vous avez les nains, vous allez donc va apparaître ce qu'on appelle le tremblement de la terre. Si vous avez une cassure, c'est systématique. La terre va trembler. Ok, la terre va trembler. Donc, ce qui va dégager, ce qu'on appelle les ondes. Parce que quand vous allez avoir la cassure, cette cassure-là, elle va émettre des ondes, généralement qu'on ne peut pas voir, parce que c'est des ondes de déplacement très réduit. Nous sommes dans un solide, nous ne sommes pas dans de la mer, mais c'est l'équivalent. Comme j'ai dit avant, si vous jetez une pierre dans la mer ou bien dans un lac, vous allez avoir un déferlement de vent. Vous allez le voir. Bien sûr, dans la mer, on le voit. Mais généralement dans le sang, on le voit, mais on le ressent. On le ressent par des tremblements au niveau de la terre. Donc c'est généralement un tremblement de terre. C'est des propagations d'ondes de vibrations qui vont se propager du point où a eu la cassure vers l'extérieur du sang. Dans toutes les directions en général. Okay. Et on peut bien sûr, on peut enregistrer ça. Si je mets moi un appareil sur le sol, un appareil spécial qui va bouger automatiquement, si je lui insère quelque chose de graphique, il peut donc dessiner, il va dessiner son mouvement. Généralement on peut le faire, et généralement c'est ce qu'on appelle les sismomètres. Bien sûr, les sismomètres sont des appareils de mesure de tout ce qui est mouvement, du sol. On peut aussi sur un site donné, avec d'autres appareils aussi, mesurer la vitesse du sol. À quelle vitesse ça bouge l'onde. Okay. Et on peut aussi mesurer l'accélération du sol. On peut les mesurer, tout ça, Donc on peut mesurer les mouvements de notre sol. On peut mesurer la vitesse de l'onde au niveau du sol. On peut mesurer aussi l'accélération de ce sol. Tout ça peut être mesuré, moyennant bien sûr, soit des vélocimètres ou bien des accéléromètres ou là des sismomètres. Okay. Bien sûr, tout ça, je peux donc le schématiser. Voilà, je peux le schématiser de cette façon-là, avec quelques définitions. Donc ici, c'est la zone où a eu la rupture, la cassure de mon sol. Elle est toujours en profondeur au niveau de la roche. Juste en surface ici,
on définit l'épicentre. C'est juste la projection de ce point vers l'extérieur de la salle, vers l'extérieur de la Terre. Ok, ça, donc ça c'est l'épicentre, c'est le point où a eu la cassure. Généralement, on peut l'appeler aussi foyer ou hypocentre. Vous avez ici, on peut aussi ne pas avoir des habitations dans cette zone-là où a eu lieu le séisme. Okay? On peut avoir un site qui est un peu plus loin du foyer où a eu donc la cassure du sol. Et généralement, c'est ce qu'on appelle, c'est le site où on va subir le séisme. On va le subir parce que nous sommes ici, nous habitons ici, donc nous allons le subir. Et c'est ce qu'on appelle en général la distance épicentrale. Et tout ça, c'est important. Okay? Et ça, c'est la distance épicentrale. Bien sûr, plus je m'éloigne du site, plus la distance épicentrale par rapport à la cassure est loin, moins je vais recevoir le choc sismique. Tandis que si je suis très près, le choc sismique sera plus important. C'est pour ça qu'on tombe à cette distance, la distance épicentrale, qu'elle se situe à 30, 40 ou à 100 km. Ça nous permet à peu près de voir que, toujours est-il, c'est loin. Si on nous dit qu'il est à 5 km, ça va être une catastrophe, c'est sûr. Ok, donc ça c'est quelques définitions que vous devez, donc vous allez entendre parler, que vous devez plus ou moins avoir une idée, des fois ils annoncent même les médias sur les visions. Donc vous avez le foyer. Ici, on parle de profondeur. On dira que le séisme a eu lieu à une profondeur de 10 km, de 20 km. Donc ça, c'est cette distance-là, okay, par rapport à l'épicentre. Ensuite, vous avez le site. Quand on est dans un site, on dira que c'est un séisme de profondeur 10 km, ou la 30 km, ou la 40, et à une distance épicentrale de 40 ou de 50 ou de 100 km, ça veut dire que entre ce point et le site, il y a donc une distance de temps. Ok. En général, l'épicentre, ici, c'est le lieu de la plus forte intensité. On est juste sur la cassure de notre sol. Ok. Bien sûr, la faille, on a parlé déjà de la faille. La faille en général, c'est déjà, elle existait auparavant, sous l'effet, comme j'ai dit, des déplacements intercontinentaux. Mais cette faille-là, elle peut s'en emprunter. Et on peut déceler, on ne connaît pas toutes les failles, on peut déceler au fur et à mesure du temps qu'il y a d'autres failles. À chaque fois, on découvre qu'il y a d'autres failles qui ont participé, donc il n'y a pas une seule, quand il y a eu donc allongement ou bien gonflement de la Terre. Il n'y a pas uniquement une seule faille qui a été créée. Peut-être qu'il y a eu plusieurs failles qui ont été créées. Et ces failles donc ont été colmatées, mais elles sont toujours, peuvent toujours subir des ruptures sous l'effet, comme j'ai dit, des déplacements, de l'expansion de la Terre, de la dérive des continents. Elles peuvent toujours donc subir une cassure. Donc généralement, dans les failles, c'est-à-dire quand on va parler de failles, et rupture de la faille, les failles peuvent se rompre de plusieurs façons. Là, nous avons déjà dit que nous avons soit des mouvements de rapprochement, soit des mouvements d'éloignement, soit des mouvements en plan. Soit des mouvements en plan, créant donc un effet de cisaillement. Okay? Donc, généralement, à partir de ces constats, on a pu remarquer qu'il y a trois types de failles. La cassure dans le sol, elle peut apparaître de trois façons. De trois manières, donc elle peut appeler de trois manières. Ici, ce qu'on appelle une faille normale, généralement c'est en traction, contre-traction, ok? C'est-à-dire que la Terre va casser en traction, c'est-à-dire qu'il y a éloignement, ouverture. Généralement, la fissure n'est jamais droite. Vous allez avoir toujours une fissure qui est inclinée, la fissure est toujours inclinée. Okay. Et c'est pour ça qu'on voit l'inclinaison. On ne voit pas une ouverture carrément. On ne peut pas avoir une ouverture parce qu'il y a du sol dessus. Vous allez avoir 30 ou 20 ou 5 km ou 5 km de sol. Donc vous n'allez jamais avoir une fissure perpendiculaire. Okay. Même au niveau des fissures, même au niveau des cassures,
vous ne pouvez pas avoir une cassure droite. Vous allez avoir une cassure en général, elle est toujours inclinée. Okay. Donc ça, c'est une cassure. Mais on peut voir que le sol, ce sol-là, il était ici. Ce sol-là, cette partie du sol, elle était ici. Et vous pouvez voir le déplacer. Vous allez ici, vous avez ici un être humain. L'être humain, toujours on le photographie en général, c'est pour avoir une idée sur le déplacement qui a eu lieu. Ok? Donc, on a, si je prends cet être humain, qui fait 1m80, et bien vous allez bien voir que 1m80, 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 1m80. Donc, vous avez eu un mouvement du sol, presque de 6 à 7 mètres. De 6 à 7 mètres, ce qui est quand même important. Donc, c'est ce qu'on appelle une faille normale. C'est une faille normale. On peut le voir sous forme de schématisation. De schématisation. Donc, on peut le voir sous forme de schématisation. Donc, il y a dilatation. Ce point-là, il était ici. Donc, ensuite, il y a le mouvement. Et on peut voir toujours vous avez un abattement. OK. Donc, généralement, la distance ici va augmenter. La distance va augmenter. Et ceci, généralement, est dû à des tractions, à des forces de traction qui sont dues à des phénomènes d'éloignement des continents, d'éloignement. Donc, quand les continents s'éloignent, vous allez avoir cette fissure-là. OK. Donc, à un niveau, on peut donc le dessiner comme ça, schématiquement, on peut le voir aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vide à l'intérieur. Nous avons aussi ce qu'on appelle les failles inverses. C'est les failles inverses. Ici, c'est des failles. Comme vous avez, vous voyez ici que ce point était là. Donc, il est passé de là à là. Ça ne peut être qu'une compression. Donc, en général, les failles inverses sont dues à des compressions. À des compressions de la roche. Généralement, ça, c'est des mouvements de rapprochement. C'est des mouvements de rapprochement des continents. Quand les continents se rapprochent, vous allez avoir des failles inverses, c'est-à-dire compression de la roche et cassure de la roche. Et en général, c'est plus important que la cassure par traction. C'est plus important que la cassure par traction. La cassure par compression, parce qu'elle accumule, les matériaux en compression accumulent beaucoup d'énergie. Ils peuvent résister à des efforts très très importants. Ok? Là-dessus, le deuxième type de faille, voilà, on peut le schématiser comme ça. C'est un mouvement de rapprochement. Voilà, vous voyez que ça s'est rapproché. Nous avons aussi des failles qu'on appelle en décrochement, c'est-à-dire en mouvement en surface. C'est des mouvements en surface. Okay. Et on peut voir ici, par exemple, dans ce cas-là, on peut voir que cette partie-là, c'est déplacé par rapport à l'autre partie latéralement. Vous pouvez voir ici que la distance de déplacement, elle fera presque 2,5 mètres à 3 mètres. Donc vous avez un déplacement du sol d'un point par rapport à l'autre jusqu'à 3 mètres. Okay. Bien sûr, ces mouvements-là, comme j'ai dit, c'est des forces extrêmement importantes au niveau du sol parce que c'est des kilomètres carrés de surface, okay? C'est des centaines peut-être de kilomètres carrés de surface. Imaginez la contrainte que peut supporter la roche et imaginez la force qui a provoqué cette cassure. Okay? Et bien sûr, quand ça va casser, vous allez avoir donc un déferlement dans des solides qui ne va pas nous permettre de les voir parce que c'est des solides, mais on peut les mesurer par des appareils de mesure qui sont plus ou moins exceptionnel. Ici, c'est le mouvement latéral, comme j'ai dit, par rapport à deux continents. La catégorie du séisme en général, donc, il y a plusieurs types de séisme. Quand il y a sismique, le séisme pour nous, donc, c'est un tremblement de la Terre qu'on peut mesurer moyennant certains appareils, tels que, comme j'ai dit, le sismomètre, les vélocimètres ou bien les accéléromètres. Donc on peut mesurer ce qui s'est passé dans un sol à partir d'appareils de mesure. Et sachez que maintenant avec le développement scientifique, on peut mesurer n'importe quelle vibration. Même,
même si on jette 1 kg sur le sol, bien sûr la terre va trembler tout autour, on ne peut pas le voir nous, mais généralement il y a des appareils qui peuvent mesurer tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Okay. Généralement vous avez plusieurs types de séismes. On ne parle pas uniquement de... on avait parlé des séismes tectoniques qui sont dus donc à la tectonique des plaques. Généralement, c'est la dérive des continents, c'est le mouvement des continents, la création des continents d'un par rapport à l'autre. Vous avez aussi les séismes volcaniques. Les volcans aussi provoquent des cassures quand le magma va vouloir sortir. Parce qu'il est emprisonné, la couche, elle est, dans le trou du volcan, il a été donc fermé par du magma, donc solidifié. Et donc quand il va vouloir encore sortir, il va provoquer aussi des cassures au niveau de cette roche-là. Donc il va casser la roche pour pouvoir sortir avec des pressions, ce qui sont très importantes. Et bien sûr, on peut ressentir aussi, on peut ressentir des mouvements vis-à-vis donc de la volonté d'un volcan à se dégager. Et on peut l'enregistrer dès qu'il commence déjà à se dégager. L'avantage des effets volcaniques par rapport à la tectonique, c'est que le volcan ne va pas sortir du jour au lendemain. Il va se propager, il va vouloir donc quitter l'enceinte de la Terre pour sortir vers le haut. Et donc à chaque fois, il va fissurer de la Terre. À chaque fois, il va la fissurer jusqu'à arriver au moment la cassure finale. Et généralement, on peut le mesurer dans cette phase-là. On peut mesurer l'activité volcanique, on peut la mesurer. Si on met un appareil juste à côté du volcan, dès que le volcan commence à sortir, donc il va casser la roche d'intérieur, on peut le ressentir. On peut le ressentir et donc on peut dégager les habitants de cette zone-là, jusqu'à ce que le volcan va passer, ensuite on peut revenir pour qu'il n'y ait pas, comme j'ai dit, de dégagement. Okay. Il y a aussi la fracturation de roche, donc l'intrusion magma, le dégazage aussi, l'oscillation propre, c'est comme un réservoir. Okay. Vous avez aussi l'implosion, c'est des effondrements de cavités dans le gypse ou le calcaire. Des fois, vous avez des cavités à l'intérieur, et si la cavité cède, toute la terre va tomber, vous allez donc ressentir un tremblement de la terre. Okay. Effondrement lié aussi à un grand glissement de terrain. Si vous avez un grand glissement de terrain, ça va donc répercuter le sol et ça va donc engendrer des mouvements vibratoires. Okay. Il y a aussi des séismes qui sont induits par l'activité humaine. Généralement, la mise en haut des barrages, elle peut provoquer des séismes. Okay. On a vu ça dans le séisme de Milan. Le séisme de Milan. Généralement, le séisme de Milan est dû au barrage de Néharon, okay, qui a une hauteur de 100 mètres de hauteur. Donc, ça va créer des pressions au niveau de la roche, et à un certain moment, la roche va se fissurer, et cette fissure-là va provoquer des tremblements de terre. Et celui de Milan, il est arrivé jusqu'à, je crois, 4 et quelques cents. Donc, quand même, ce n'est pas très grave par rapport à séisme tectonique, mais toujours dit-il, c'est un séisme. Vous avez aussi l'exploration sismique aussi, dans les carrières, dans les mines, les essais nucléaires aussi. Les essais nucléaires aussi provoquent des séismes. Et c'est pour ça que quand un pays fait un essai nucléaire, tout le monde le sait. Parce qu'il va provoquer un tremblement de terre qui sera enregistré par tous les pays développés. Ils me regroupent, d'accord? Ils savent qu'il a fait l'essai, ils savent même la région à partir de l'épicentre. Ils peuvent même deviner là où a eu l'essai sismique et à quelle profondeur. Maintenant, c'est très sophistiqué. Et c'est pour ça, quand vous voyez, des fois, vous voyez des appels de la communauté internationale pour que ce pays-là arrête ses essais nucléaires parce qu'ils sont ressentis. Parce que une bombe nucléaire, c'est quand même très très important. Mais par rapport au séisme tectonique, c'est minime. Okay. Vous avez bien sûr l'effondrement d'anciennes mines, si vous avez des anciennes mines. Et donc quand elles s'effondrent, elles peuvent provoquer, on ne voit pas
On ne voit pas l'effondrement, mais on peut le ressentir. L'exploration du gaz aussi, un dégazage du sol, comme par exemple dans l'épisode, des fois on a entendu sur le tremblement de terre qu'il y a eu dans le sud, en général dans la région sud, c'est pas des plaques, c'est pas des mouvements des continents. Le mouvement des continents, c'est à l'interface. Mais dans le sud, le dégazage du sol, quand on veut sortir du gaz du sol ou bien on va sortir de l'eau à grande valeur, on peut donc avoir des tremblements de terre et qui vont donc être ressentis par la population et même peut-être enregistrés. Bien sûr, les séismes tectoniques restent les plus dangereux, les plus importants, parce qu'elles mettent en effet des efforts très très importants, okay. Des efforts majeurs. La rupture du sol à ce niveau-là, les vibrations, selon les vibrations maximales. Il n'y a pas un séisme créé par l'homme ou un volcan ou un type nucléaire ne peut pas créer un séisme de plaque tectonique, parce que là vous avez la rupture d'une roche, c'est des millions de temps, c'est des millions de temps de poussée ou bien de traction. En général, comme j'ai dit, les séismes artificiels sont généralement des petits séismes, à part les volcans et à part les types nucléaires. On le ressent, les types nucléaires. Les ondes. Maintenant, on va parler un peu des ondes. Donc, on avait dit que quand il va y avoir un tremblement de terre, donc le tremblement de terre va commencer par un dégagement, juste au niveau du foyer. Donc, à partir du foyer, c'est là. Donc c'est là où vous avez la rupture. C'est comme si vous avez jeté un caillou dans de l'eau, juste dans cet emplacement. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous voyez les pêcheurs quand ils pêchent à la dynamite, ils mettent de la dynamite à l'intérieur de l'eau, et quand ça explose, vous allez avoir un déferlement de vagues juste à la surface du sol. Juste à la surface, on peut voir les vagues au niveau du sol. Mais comment ça va se passer? À partir d'un mois, comme j'ai dit, à 60 ou la 80 ou la 30 ou la 20 km, le tremblement, la cassure, va provoquer des ondes. Des ondes qui vont se déplacer selon la périphérie de la fracture. Donc, ils vont se diriger dans toutes les directions. Ces ondes-là vont se diriger dans toutes les directions du globe. Ils ne vont pas se diriger uniquement vers l'eau. Ils vont se diriger ici, ici, là, dans tous les coins. Ça peut être que par rapport ici, à l'autre côté, c'est vraiment très très loin. Elles peuvent ne pas être ressenties, mais sachez qu'une onde va se dégager dans toutes les directions. Vous allez avoir propagation d'une onde dans toutes les directions. Ok. Et on prémure en général, les ondes là sont des ondes élastiques, donc ils vont dépendre des caractéristiques du sol, c'est sûr. Ils vont dépendre des caractéristiques du sol, de la couche qu'ils vont traverser. S'ils traversent de la roche, ce sera rapide, avec des déplacements moindres. S'ils arrivent en sol mou, la vitesse va être réduite, ok, avec une fréquence réduite, avec des déplacements importants, jusqu'à ce qu'elles vont se dégager à l'extérieur. En général, nous parlons de deux types d'ondes. Vous avez les ondes de volume qui se dégagent à partir du foyer, là où il y a eu la rupture. Donc à partir du foyer qui se situe à 20 km, vous allez avoir, comme j'ai dit, vous allez avoir donc un déferlement d'ondes tout autour de la fissure, de la cassure, pour aller dans toutes les directions. Donc, elles sont généralement les premières ondes qui sont développées, c'est des ondes qui sont à l'intérieur de la Terre. C'est à l'intérieur, à une profondeur de 20, 30, 40, 50, 60 km. C'est là où vous avez la rupture. Donc, à partir de ce point, vont apparaître les premières ondes. En général, les premières ondes, c'est ce qu'on appelle les ondes de volume.
les ondes de volume parce qu'elles sont à l'intérieur, elles vont se développer à l'intérieur du sang. Ok, les premières, c'est les ondes de volume. Ensuite, quand elles arrivent, elles vont arriver au niveau de la partie supérieure du sol. Ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Et c'est ce qu'on appelle les ondes de surface. Donc vous avez en général deux types d'ondes qui sont dégagées. Les ondes de volume, les premières, arrivées au sol, ils vont continuer à fonctionner. Et c'est les ondes donc, qui vont être en surface, qui vont aller en surface. C'est comme si vous avez un déferlement de la vague. Vous voyez, par exemple, vous êtes à côté de la mer. Vous allez voir les vagues qui vont venir. Ok? Elles ont une grande vitesse, des déplacements moindres. Mais quand elles arrivent au rive, qu'est-ce qu'elles font? Toute l'énergie est dégagée dans la rive. C'est la même chose ici. Si vous veniez à l'intérieur de la mer, vous n'allez pas ressentir la vague. C'est des mouvements, montée, descente, qui peuvent être atteindre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Mais si vous êtes au niveau du rivage, et bien le déferlement de la vague, il sera mortel. C'est la même chose ici. Vous avez des ondes qui se développent à l'intérieur du solide. Donc vraiment, c'est des ondes qui n'ont pas un fort mouvement parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont cloisonnés, sous pression. Mais quand elles arrivent au sol, elles se diffèrent. Donc le mouvement devient le plus important. Okay? Et on peut voir ici, donc ici nous avons les deux types d'ondes. Donc ça va commencer par les ondes de volume. Et ensuite, quand elles arrivent en surface, elles vont se déferler sous forme d'ondes au niveau de la surface du sol. Ok? Généralement, bien sûr, leur vitesse de propagation et leur onde, nous allons dépendre du milieu où elles vont passer. Si vous avez un milieu rocheux, donc ce sera rapide, avec des ondes amplitude minimale. Si ça va passer par un sol mou, vous allez avoir donc des amplitudes importantes avec des vitesses qui seront réduites. On va parler un peu des ondes de volume, ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Voilà, généralement, les premières ondes, ce qu'on appelle les ondes primaires, c'est les premières ondes qui sont dégagées. Quand il va y avoir la cassure, généralement, c'est de la compression. La roche va être soumise à une forte explosion. Donc, elle sera comprimée. Elle sera comprimée au départ. Et ensuite, c'est comme un ressort. Vous tenez un ressort, vous le comprimez, vous le lâchez. Il va faire ça. Ici, donc, c'est le même principe. Les premières ondes, en général, c'est des ondes primaires. C'est des ondes qu'on appelle de compression. Le sol est comprimé, et ensuite, ça va, l'onde va aller jusqu'à la surface. Généralement, c'est les ondes les plus rapides. C'est les ondes de compression, c'est les ondes les plus rapides. Elles arrivent en premier, dans une station d'enregistrement. Les premières ondes qu'on va enregistrer, en général, c'est les ondes de compression. Parce que c'est des, comme j'ai dit, c'est des vitesses très très rapides. Et vous voyez ici, c'est 6 à peu près, c'est 6 km par seconde. 6 km par seconde de vitesse. Okay. Imaginez par exemple la belle chaleur. Fait une minute. 6 fois 60. Vous allez avoir 360 km par minute. 360 km par minute. C'est-à-dire qu'entre un nœud par centaine, ça va faire 20 secondes pour que ces ondes arrivent. Ok, donc c'est un laps de temps très réduit. Ok. Généralement, on entend ce qu'on appelle des fois, on peut enregistrer même le son. On peut avoir des grondements dans la tête. On peut entendre des grondements. Sur le bord des. C'est des rendements dans la terre. Généralement, on peut le voir, là, je vais le voir aussi sur la base. D'une vidéo, bon, à peu près, pour comprendre à peu près ce qui va se passer. Voilà. Voilà, comment il se propage. Vous voyez à peu près,
Donc leur vitesse est très rapide. Elles vont sortir directement. Elles vont se propager dans toutes les directions. Elles vont se propager dans toutes les directions du sol. Ok. Vous avez les deuxièmes zones aussi. C'est des zones de volume aussi. C'est des zones de volume à l'intérieur aussi. Mais ce qu'on appelle, c'est les zones S en général. Ok. C'est les zones S en général. Les zones primaires et secondaires. Ok. Généralement ici, c'est sous forme. Donc c'est un mouvement latéral en droit par rapport à la direction de propagation. Ce n'est pas des compressions. Ce n'est pas des compressions. Hein? Généralement, c'est un mouvement latéral. Hein? On va se propager dans ce sens. Ok. Bien sûr, parce que la cassure de la roche a créé de la compression et en même temps un cisaillement. Et donc vous allez avoir un déferlement de compression-traction plus un effet secondaire qui sont en général des mouvements latéraux du sol. On peut le voir aussi la même chose ici. Je peux voir ça pour bien schématiser à peu près. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Ça va se propager. Vous voyez? À peu près, c'est ça. Okay. Réellement, c'est ça. Mais l'amplitude, c'est pas ça. L'amplitude, elle est très réduite. Mais en termes d'onde, c'est ces ondes-là. Et, bien sûr, ces ondes en général, les ondes de volume en général, ne sont pas vraiment dangereuses. Parce qu'elles sont comprimées à l'intérieur du sol, sous la pression de toute la Terre. D'accord? Donc, c'est des petites ondes, amplitudes, de grandes vitesses, mais elles n'engendrent pas des effets au niveau de l'habitation. Ce n'est que lorsque ces ondes vont arriver en surface, qui va y avoir le dégagement d'énergie, donc le déferlement. Donc toute l'énergie qui était accumulée à l'intérieur, sous l'effet de la pression, des terres, etc., quand elle arrive en surface, elle va se déferler. Donc elle va augmenter énormément. Elle va augmenter énormément. Et là, vous avez aussi deux types d'ondes aussi sur le sol. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup plus maintenant, c'est les ondes de surface. Quand elle arrive en surface, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se passer deux types d'ondes aussi. Vous avez les ondes de l'eau. Ça, c'est au niveau surface sol. Le sol va bouger comme ça, dans cette direction-là, latéralement. Donc, c'est des ondes latérales. OK? C'est des ondes latérales en général. C'est horizontal qui est la cause de nombreux dégâts. Ces ondes-là sont très, très dangereuses, ces ondes-là. Imaginez que le sol va bouger comme ça. Et vous avez un bâtiment. C'est les fantassins qui vont bouger. Parce que le sol n'est pas en contact de la superstructure. Le sol est en contact avec l'infrastructure. Donc imaginez que vous avez un bâtiment ici, vous avez que l'onde fait ça. Vous le bougez comme ça. En tout point, vous allez voir. Donc ces deux fondations vont aller comme ça, les autres fondations vont aller comme ça, les autres fondations vont aller comme ça. Et imaginez le bâtiment dessus. Okay. Donc les ondes de l'eau sont vraiment très très dangereuses. Ici, on peut voir aussi l'enveloppe. Ici, en surface, voilà ce qui se passe en surface. Oh, ce qui se passe en surface. Ce qui se passe en surface. OK? Et ici, et vous avez ici le deuxième type d'onde, c'est l'onde de relais. L'onde de relais, c'est comme des vagues, mais avec un mouvement de rotation, avec un mouvement de rotation. Ok, c'est comme des vagues, un mouvement de rotation. On peut voir ici que les ondes de l'eau se propagent à 4 km par seconde. Elles sont plus rapides que les ondes relais. Donc déjà, vous avez des vitesses de propagation à l'intérieur qui sont très très importantes, qui m'agglutent. Dès que vous avez la rupture, dès que vous avez la rupture du sol, imaginez que vous êtes à 60 km en-dessus, vous avez 6 km par seconde sur l'onde longitudinale, et bien vous allez avoir, dès qu'il va y avoir la cassure, en un laps de temps de 10 secondes, à 60 km, 10 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez l'onde qui arrive. Ok, donc c'est très très rapide. Les ondes l'offre, elles se propagent à 4 km par seconde. Comme j'ai dit à la centaine, 4 km par seconde, en une minute, vous avez 4 fois 60, 240 km
En une minute, vous avez, en 30 secondes, vous avez 120, 120 km. On ne peut même pas vous appeler pour prévenir que vous allez avoir le séisme. En 30 secondes, il va arriver chez nous. Donc c'est quelque chose de très très rapide. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, qu'on ne peut jamais prédire ou le prévenir. Ok. La même chose ici, on peut voir aussi les angles de relais. Ici, c'est sur le sol. La surface, à peu près, ça fait ça. Comme j'ai dit, mais en grandeur, c'est minime. Ok. Mais le sol fait ça. Le sol fait ça. Ok. Donc au niveau des bâtiments, ça va se répercuter, bien sûr, avec une interaction. On va voir donc ici une interaction entre le sol et la structure par l'interface de l'infrastructure. C'est donc le sol va soumettre l'infrastructure à des mouvements latéraux, voilà, selon vous avez les angles, on peut avoir les deux angles en même temps, et bien sûr les fondations vont faire bouger tout ce qui est habitation à partir de ces angles. Ici vous avez les quatre angles, compression, c'est les angles de volume, compression, donc primaire, secondaire, c'est les angles de volume. Vous n'êtes rapide avec des amplitudes moindres qui ne sont pas vraiment dangereuses. Et on arrive ensuite à des zones de surface, l'angle de relais sous forme de vague, okay, avec des retours, et l'angle de l'or sous forme de cisaillement du sol. Et l'angle de l'or en général reste la plus dangereuse vis-à-vis des habitations. Ça, à peu près, c'est un premier aperçu sur les choses, comment ça va arriver, quelles sont les causes, les conséquences, tout type de mouvements, d'ondes. On doit le comprendre plus ou moins, avoir une culture de tout ça pour pouvoir après commencer à comprendre ce qui va se passer au niveau donc, de l'évaluation, au niveau sismique, etc. Voilà. Je vous remercie.